up tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve sur The Evil Withing. Je crois pas que ça se prononce comme ça, c'est The Evil Withing ou quelque chose comme ça. J'arrive vraiment pas à le prononcer. En gros c'est un jeu où on va être un inspecteur qui aura tout perdu dans sa vie, y compris sa fille qui je crois s'appelle Lily. Et pour avoir une chance en fait de la sauver, de la revoir, il va devoir entrer dans un cauchemar. Mais bref, donc on est parti pour commencer cette play. Dans cette play je vais essayer de faire ça un peu comme un film, donc je ferai des gros épisodes. Donc on commence maintenant, bonne vidéo. Alors difficulté. Alors, détente, on est dans un cauchemar, mais c'est l'heure de se détendre. Pour ceux qui veulent expérimenter un survival horror de base, je pense qu'on va prendre le mode survie. Moi, je sais survivre. Une fois, j'ai survécu 5 heures sans manger, j'étais trop chaud. Alors, aide à la visée, désactiver ou activer? Désactiver. On va y aller en mode pro, ESL. Une maison ravagée par les flammes, mort d'une fillette et de sa nourrice. Donc ça, je crois que c'est nous, en fait. Genre, c'est notre fille. Et nous, je le crois qu'on s'appelle Sébastien. Je suis pas complètement sûr. Je sais pas pourquoi je suis ultra content de jouer à ce jeu. Oh non! Le dessin! Papa, maman et moi! Il était trop bien fait ce dessin. Il aurait dû être dans un musée. Chapitre 1, les flammes du mal. Non. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Les Kinder Bueno ont augmenté leur prix. Oh non, du coup, on s'appelle vraiment Sébastien, du coup, lui, c'est nous. On est là, on est Sébastien. Sébastien, le grand Sébastien. J'ai pas de blague là-dessus. Est-ce qu'on a du courrier? Parce que bon, la maison brûle, mais on sait jamais si on a du courrier. Non? Pas de courrier? Je sais pas. Peut-être que mon assurance, elle sera contente. Ok. Ah, t'es que là, on revit du coup le moment où on a perdu Lily. Ok, faut que je trouve un moyen de rentrer, mais le problème, c'est qu'il y a des flammes. Est-ce qu'on peut rentrer par là? Quoi, t'as pas laissé une clé genre... Qu'est-ce que je fais? Waouh, calme-toi! Mec, tu casses ta maison. Quand tu me diras, les gens en train de brûler. Lily, je suis là! Où es-tu? Oh non, elle est là. Ok, j'entends. Aïe! Lily, je suis désolé pour toutes les blagues sur les lilliputiennes, s'il te plaît, reviens. Ah, je fais des blagues parce que pour l'instant, ça va, ça fait pas trop peur. J'avoue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a joué avec le micro-ondes? Aïe! Je sais pas où elle est. J'arrive Lily. J'arrive Lily. Putain, je connais déjà les paroles. Je suis chaud. Je serai un très bon Sébastien. Est-ce que je dois aller là-haut du coup? Je suis là Lily. Je suis là. Elle est où? Elle est où? Est-ce que je peux entrer par là? Non, non, je vais mourir. Ah ok, il faut que je passe par là. Je pense qu'il va falloir que voilà, je m'accroupis. Est-ce qu'elle est là? C'est sa chambre. Lily. Viens ma chérie. Lily. Où es-tu? Je suis là. Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Papa, papa, où t'es? What? Oh putain. Évidemment on se retrouve au bar. Comme tout bon Sébastien. Mais du coup c'est vraiment ce qui nous est arrivé? Je sais pas si c'est un flash... Non. Je pense que c'est juste un rêve parce que si c'était un... Non, j'ai Gustel. Si c'était un flashback, on serait mort théoriquement. Kidman? Bonjour Sébastien. Ça fait longtemps. 3 ans. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille? C'est ça? Et qu'est-ce Touché. Que vous foutez là, bordel? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. Mobius, c'est bouche cousue.
En tout cas, je trouve que les graphismes des visages, je sais pas comment ils l'ont fait, mais genre tout a l'air ultra bien fait. Ça serait presque réel. Je suis là à cause de ça. Un papier brûlé. Moi, je connais que les papiers mâchés. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Calme-toi. Repose Lily l'arme. Est toujours en vie. Quoi? Repose ton arme, c'est bon. Non, il va tomber, putain. Lily est morte. J'ai lu le rapport d'enquête. On l'a enterré. Du coup, c'est un inspecteur. On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. C'est pas sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Enlève tes sales pattes. Voilà, voilà, on se calme un peu. Parce qu'en même temps, là, j'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Moi aussi. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. C'est... On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. En fait, je comprends pas pourquoi il sait pas. Il aurait dû être ultra content. Sébastien, vous êtes réveillé. Pourquoi il est agressif? Ouais, c'est ça, bien. Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une de nos installations. Alors, c'est ça, la grande organisation Mobius. Joue les fesses. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Où est Lily? Patience. Toutes les réponses sont juste là. Waouh. Et donc ça, je pense que c'est la... L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était... un contretemps malencontreux. Pourquoi ils sont dans des baignoires? Je pense que c'est la machine qui nous emporte dans un cauchemar. Elle a utilisé ses connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré. STEM? C'est pas STEAM, c'est STEM. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Lucia, pourquoi enfin, je ne fais pas confiance? Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. De fumer? C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique. Facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Castellanos? Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver... ou la laisser mourir. C'est putain de bien. Le choix vous appartient. Je suppose, ouais. Je pense qu'on a dit oui. Mais en tout cas, pour l'instant, ça paraît pas genre trop un jeu d'horreur. Bonne on dirait chance, plus un jeu d'action, plaît, aventure.
essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. En fait, Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Vous êtes prêts ? Ouais. Soyez prudent, Sébastien. On compte sur vous. Entrez dans le stand en 3. 2. 2. 1. 1. Go ! On se croit pas qu'à 5. Ça a l'air cool. C'est très humide. Donc du coup c'est là que ça commence. Wow. Les gouttes se sont arrêtées, c'est trop cool. Belle chaussure. Yes! Oh, en tout cas, là, le jeu commence très bien. Genre, parce que... Ils ont pas trop expliqué l'histoire, mais... Genre, c'est assez expliqué pour qu'on comprenne tout, en fait. Enfin, au moins les bases de ce qui va se passer. Je pense que si on a joué au premier, on doit savoir 2-3 trucs en plus, mais là, je suis déjà très bien. Et le jeu est fucking beau. Ok. Est-ce que c'est... Où est-ce que je suis? Je sais pas où on va, mais on y va vite. Ah, c'est notre maison. Ah, par contre, si c'est un jeu qui joue sur les cauchemars et tout, ça va être horrible. Mais pour l'instant, le jeu est génial. Papa, au secours! J'arrive, Lily! Mira, je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit? Oh. Inspecteur, on a un appel. C'est quoi ça là-bas? C'est Disneyland? What the fuck? En tout cas, sérieusement, le jeu est beau. C'est mon bureau. Allô? Allô, ah. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh, tellement cool! J'adore Bethesda, ils savent trop bien. Ils savent trop bien faire des jeux. Qu'est-ce qui... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Ah, je sais pas où comment une porte, fuck. Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein? Alors où est ma famille? On dirait mon ancien bureau, au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça, c'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but, nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez quelque chose d'inhabituel. Bah en vrai déjà on peut examiner là, hein. Il y a jamais... je pense qu'à l'époque on n'avait pas la photo de... du système. Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Ah c'est des agents de Mobius, putain, j'avais pas vu. Si vous trouvez l'un d'entre eux, vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM.
Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça? Si quelqu'un en est les capable, experts dans le cauchemar. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un œil. Donc en gros, ils ont recréé une ville. Je sais pas pourquoi, mais elle a l'air super cool. Chapitre 2. Quelque chose cloche. Mon fauteuil. N'empêche, en vrai, ça doit être quand même vachement cool d'être dans le bureau du commissaire. Genre d'être le commissaire. Tu poses tes pieds sur la table avec un petit cigare. Et t'es trop bien. Oh, il y a les photos de... C'est Lily qui a fait ce dessin de moi. La dernière fois. Il a brûlé avec tout le reste de la maison. Elle avait un sens artistique de dingue, hein. Mais voilà. On est parti. On rentre vraiment dans le jeu maintenant. Oh, il y a un chat. Un chat. Oh, ouais. Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. C'est un cadeau, apparemment. Peut-être que Lily voulait un chat et du coup, elle l'a créé. Ça peut être vrai, hein. C'est bon, calme-toi, je t'aurai des croquettes. D'où sort ce souvenir? De mon école primaire. Oh là là, je sais pas si c'est une punchline, mais c'est stylé. Ok, donc il faut que je trouve le projecteur maintenant. Fuck it. Un miroir. Comme un beacon. Ça doit être la sortie. Je pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Terminus de sauvegarde. Vous pouvez utiliser les terminus de sauvegarde pour enregistrer votre progression à tout moment. Ils se trouvent dans les planques ou les salles de Sebastian. Putain, ce jeu est beau. Il y a des très très beaux effets de lumière. Du coup, c'est quoi ça? Et c'est reparti. De l'autre côté du périph. Ah, mais du coup, on a même pas trouvé un projecteur? Oh, fuck. J'aurais vraiment voulu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. En tout cas, vraiment, pour l'instant, je suis ultra hype par le jeu. J'aime beaucoup l'ambiance. D'ailleurs, si vous aimez le let's play, vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos sur le jeu, n'hésitez pas vraiment à bombarder les pouces bleus. Je le demande jamais, mais oh vu que c'est pas le genre de vidéo qui fera beaucoup de vues, parce que pas beaucoup de gens aiment ce genre de jeu, n'hésitez pas. La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. On lui monte comme ça. Bosse, maman. Travaille pour moi, femme. Non, bah, je... Ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas? Viens là, Mira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose? En tout cas, je sais pas pourquoi je commence à être attaché à Lily. Genre, j'aime vraiment beaucoup le... Genre, comment ils ont designé le personnage. Genre, il est ultra bien fait. Ok, donc apparemment, je peux pas aller plus loin que ça. Est-ce que je peux quand même essayer, au moins? Non? Y'a pas. C'est le bon endroit. Oh. Les portes du dojo. Je toque même pas. Le respect, je l'ai mangé. Qu'est-ce qui... Ok, j'ai une barre de vie et d'énergie. Ok. Putain, et l'ambiance du jeu, ils l'ont tellement géré. C'est tellement cool. La chambre sans... Est-ce qu'on peut pas rentrer dans le... Non. Ah bah elle est là. Chambre 102. Est-ce que genre si je reviens là, ça va être différent derrière? Oh yes, c'est trop cool. Allumer la torche. Ok. Ah, la lampe torche. Mais si le mec il a une torche. On peut pas rentrer par là. Apparemment il y a de la musique. Qui écoute de la musique? Qui écoute de l'opéra? C'est du Vivaldi.
Les 4 dents de Vivaldi, j'adore ce bouquin. C'est un des agents. C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. What? Merde. Se passe quoi? Je sais pas ce que je dois faire. Le chef d'équipe. Une balle pile entre les deux yeux. Bon, c'est que si vous mourrez dans le jeu, genre vous mourrez aussi dans la vraie vie. Ou le système réanime après. Attends, donc si je rentre là-dedans, je suis dans un effet très bizarre. Ah, une porte qui s'est ouverte. Je crois qu'il est insauvable, hein, le chef d'équipe. Ok. Je sais pas où je vais. J'aurais pu prendre son flingue au chef d'équipe. Je suis sûr que je dois me battre bientôt. T'as une porte juste là. Ok, il l'a fermé. Mais je l'entends, il passe par là. On est revenu ici? C'est un labyrinthe le truc. Ah, la caméra, elle a filmé. Elle a pas filmé avant. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Je dois prendre un Snapchat? En vrai, si on enlève le contexte d'un coup, genre la photo, là, elle est ultra stylée. J'aimerais pas être dessus, mais elle est cool. Y a pas autre chose? Oh, on a découvert un nouveau passage. Ah non, c'est toujours le même. En fait, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que je reviens toujours au même endroit, peu importe où je vais. Oh, yes! On a trouvé quelque chose. Allez, vas-y, bouge-moi ça, petit. Allez, on bouge. Ok, donc il y a une sortie ici. Je sais pas où on va. Non, allez, vas-y, là-bas. Là-bas, derrière moi, je parie une chance sur deux que ce soit fermé. Donc je vais viser sur les escaliers. Je perds pas de temps, moi. Ah, le téléphone. Y'a quelqu'un? Putain. C'est qui? J'aime pas comment il dit. C'est qui? Il repose le téléphone. Il demande même pas qui c'est en fait. Mais ça va être le gars qui a. La porte est ouverte. Ça va être le gars qui a tué. L'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Baker? Bon, du coup, je suppose que je dois aller en haut. En tout cas, ça va pour de vrai. Pour un jeu d'horreur, ça fait pas tellement peur que ça. L'ambiance est flippante, mais. Le jeu, il est. Il va pas me terroriser. Ok, je suppose que je dois passer par là. On s'accroupit. C'est quoi ce dossier? Et une enveloppe. Félicitations, chercheur de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de conscience suivant. Veuillez nous prendre blablabla, s'entremue. Mensonge, rien que des mensonges. What the fuck? Et dehors, il y a quoi? Attends, il y a marqué un truc. Grand. Merci. Je sais comme ça aussi que je compare mon pénis. On va passer par là. Alerte! Au secours! Bonjour! Hey! J'étais pas prêt. Merde. J'étais tellement pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi quand on a des fantômes, il n'y a jamais Scooby-Doo au bon moment? Scooby-Doo-Bee-Doo. Je pense que toutes les portes, dans tous les cas, sont fermées. Ok, un fauteuil. Putain, j'avoue que là, j'étais pas prêt. Je sais pas comment, genre à 2 minutes. Ouais, ça va, le jeu, il est pas trop flippant. Et là, bam, screamer. Bon, pas deux fois non plus. Waouh, sympa. Qui a refait la déco? J'ai vu quelqu'un là-bas. Quoi? Eh, vous allez pas me prendre pour un jambon, hein. J'ai vu quelqu'un et je veux le voir. Voilà! C'est moi! Non, c'est... On dirait moi. Bon bah si c'est moi, je suis mort. C'est qui lui, c'est un... Ah oui, du coup il a... Ok, donc lui, c'est le gars qui a tué l'autre avant. Merde. C'est sûr. Ok. Espace pour se mettre à couvert.
Pas de problème. Oh putain, il arrive. Oh merde, comment je fais? Fuck. Bonjour. Y'a personne derrière ce canapé. Ok, putain, c'est bon, on se calme. Il fait ultra peur. Du coup, il a tué lui. Est-ce que lui aussi, on peut se mettre dans son corps? C'est bizarre, parce que genre, il les tue, mais genre, la tuée se rewind tout le temps. Bon, en gros, je pense que tous les agents, ils sont morts. Oh, comment c'est trop cool. Regardez, si vous regardez bien, en fait, chaque photo, c'est pas juste des photos différentes, ça fait des images, ça fait des têtes. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Ok. Je vais sortir d'ici. Ok, la porte est ouverte. Wow. Lui, il a gardé un œil sur moi. Comment je fais? Je peux passer par en bas là? En vrai, ça va, je risque pas de mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Non, apparemment, le jeu, il veut pas que je passe par là. Hein. Et si je vais de l'autre côté, il se passe quoi? Ok, là il y a le fantôme. Bonjour. Quoi? What the fuck? Attends, il y a un truc là. Encore un dossier. 3 sur 40. En vrai, je vais les avoir tous à la fin. Là, on peut pas rentrer. Et là, on peut pas rentrer. Ok. Toutes les portes sont fermées. Ok, celle-là, je pense qu'elle est ouverte. Même pas? Il y a des trucs que je comprends pas. Ok, la porte s'est fermée derrière moi. Je pense que je dois aller en haut. Regardez, il y a une horloge. Ça veut dire qu'il est temps de partir. J'ai pas trop envie de revoir l'autre psychopathe de tout à l'heure. Oh, il est là. Faut vraiment que j'arrête de parler, hein. Dès que j'ai quelque chose, ça se produit, mais c'est toujours les trucs nuls qui se produisent. Regardez, je veux une pizza. Ça se produira pas, hein. Alors que si je dis je veux voir quelqu'un qui veut essayer de me tuer, à coup sûr ça va se produire. Ok, donc voyons, ma discrétion. Il est où? Ok, il a dû partir. Il n'a pas le temps pour nous. La vraie question, c'est pourquoi je le suis? Alors que je sais qu'il peut me tuer, hein. Mais moi, non, je vais le suivre. What the fuck? J'aime bien comment je me cache derrière des barreaux alors qu'on voit exactement où je suis. Il a encore tué quelqu'un? Oh, il est pas drôle. Il est parti? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ok, c'est bizarre. Ça a son côté artistique, hein. Mais moi, je suis pas très art moderne. Putain, en vrai, c'est stylé. Je suis être un psychopathe, mais arrêtez deux minutes, c'est stylé. Il se passe quoi? Un ascenseur qui s'ouvre. Un gars qui veut me tuer. Un hôtel qui fait flipper. Ah, je vais directement aller dans l'ascenseur, ça paraît logique. Ok, il y en a un qui fait des gargouillements de ventre. Ok, on y va. On y croit. Ok. Vous êtes arrivé au dernier étage. Veuillez mourir. Je pense qu'on va encore recroiser l'autre. Allez, on s'accoupit. Lampe torche? Je sais pas. Oh fuck. Je sais pas si ma lampe torche a de la batterie. C'est un peu flippant, sauf que c'est tous les mêmes. Il y a un œil derrière. What?
Il y en a qui sont vivants? Oh non, ça s'est changé derrière moi. Je suppose que je dois aller voir l'appareil photo. Allez tout le monde, cheese! Oh, j'aime pas ça. Oh, ça me rappelle un jeu d'horreur, je crois que ça s'appelait Nox Timor ou un truc comme ça. C'est un jeu où quand tu, genre, tu te retournais et tout changeait derrière toi dans la pièce, c'était trop flippant. Je m'y attendais tellement. Cheese! Oh, merde. Y'a un truc là? Oh, du coup, ah ouais, du coup, je suis carrément parti en fait. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais, putain, ça... Ah oui, non, mais... Ah! Merde, j'ai cru que c'était... Putain, c'était moi! Heureusement que c'était moi! J'ai cru qu'il y avait quelqu'un! Putain! Wow! Ah, belle photo! C'est quoi ce bordel? C'est pas ma meilleure photo, mais c'est... Elle est pas dégueu. C'est quoi ça? Merde! Mamie! Comment ça va, mamie? Ok, ok, on se casse. On se casse. Je sens bien. On va partir là. Merde, ça consomme de l'endurance. Merde. Ok, on se calme, on se calme. Il faut pas que je consomme trop d'endurance. Allez. S'il te plaît, j'ai pas trop envie de mourir aujourd'hui. S'il te plaît. Oh oui. Heureusement, j'ai de la force. Merde, je suis pris au piège. Je suis pris au piège, je suis pris au piège. Par là? Non. Merde, mec, y'a aucun endroit où aller. Prends une photo, c'est pas le moment. Oh, là! Peut-être pas. Faut que j'aille là-haut, faut que j'aille là-haut. Tout de suite. Allez, vas-y, allez, allez. On y va, s'il te plaît, s'il te plaît. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Ok, elle est là. Elle est rentrée, elle est rentrée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle va m'agripper dans le pied. Oh, ça me fait trop peur. Ok, ok. Putain. Ok. C'est quoi cette horreur? Waouh. J'aurais pas dit mieux. Oh, un rat. C'est le truc le plus beau que j'aurais pu voir. Merde, aïe. Mais y'a plus de rat. Il s'est fait ratatiner. Merde. Je peux quand même passer? Je suppose qu'il faut que j'aille là. Franchement, c'est trop bien! C'est bien, mais c'est ultra peur. Je pense que c'est un boss. Mais je parle pas de Franck Dubosc. Oh, il y a un truc là? J'ai pas trop envie de descendre parce que si je descends, c'est sûr qu'elle est là. Bon, je l'entends plus. J'avoue que déjà, plus l'entendre, c'est pas trop mal. Mais elle est sortie là-bas! C'est sûr, c'est là-bas. Évidemment! Putain, mais d'où? Mec, avec son rasoir, elle pourrait me raser les couilles. Allez, on est parti, on est parti. On est parti, on est parti. Ok, on continue. On continue, on sprint. Y'a quelqu'un là-bas! Merde, les deux tueurs! Je sais pas sur qui aller. Dans les deux cas, je meurs. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non! On se débat, on se débat, on se débat, on y croit. Yes. Yeah baby. C'est moi le boss ici. C'est moi le Dubosc. Allez, on court, on court, on court. Bon voilà tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette première vidéo sur The Evil Within. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, je me suis beaucoup amusé à la faire. Je trouve le jeu est vraiment pour l'instant ultra bien. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez qu'on refasse une vidéo sur le jeu, qu'on fasse un vrai let's play, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu pour plus de vidéos sur le jeu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. A plus sur mon Starryton. Et ciao!